séance de dédicace, comment le public électeur réagit? Eh bien écoutez, ce soir il y a beaucoup de monde, on est quatre dessinateurs avec un ou deux scénaristes qui ne sont pas là pour l'instant mais qui vont bientôt arriver. Mais bon, ça se passe très bien pour l'instant, il y a beaucoup de monde. Alors, vos lecteurs, c'est des fidèles, c'est vrai? Ce sont des fidèles de la Musardine, ce sont des fidèles de la littérature érotique. Et ce soir, voilà, donc il y a quatre ouvrages de bande dessinée spécialement consacrés à l'érotisme. Peut-être la pornographie, c'est à voir. Les lecteurs, par exemple, la moyenne d'âge, est-ce que les jeunes sont toujours très intéressés, sensibles à ça, toutes les générations? Alors, cette librairie est interdite aux moins de 18 ans. Donc voilà, c'est, oui. Donc c'est réservé aux plus de 18 ans. Déjà, oui. De 18 à 198 ans. Ouais. Non, mais avec la télévision et tous les médias, l'Internet, tout ça, ça banalise un petit peu les choses, non? Bah écoutez, vous voyez le monde qu'il y a ce soir, donc les gens qui sont là ce soir, ce sont des esthètes, ce sont des gens qui aiment l'art, qui aiment les dessinateurs, et qui aiment les bandes dessinées, et qui aiment les belles histoires. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre livre? Bah écoutez, moi, c'est l'histoire d'une Allemande, ce n'est pas Angela Merkel, mais c'est une Allemande un peu plus jeune qu'elle, qui essaye de dominer le monde par son invention. Elle a inventé le sperme chimique. Voilà. Donc, le sperme chimique, c'est-à-dire le sperme naturel est remplacé par un sperme chimique qui permet à n'importe quelle femme de procréer, de donner naissance à des enfants sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire d'un homme. Voilà. D'où cette histoire. Ça va faire aux féministes alors? Mais j'espère, hein. C'est fait pour elles. Et sinon alors, vous produisez combien d'ouvrages alors Écoutez, c'est mon premier, donc j'espère que ce ne sera pas le dernier. Et vous êtes très sensible hein, justement à cet univers de l'érotisme? Oui, bah écoutez, moi, si vous allez dans cette librairie, vous verrez des tonnes de gens que j'aime bien la bande dessinée, donc, mais j'aime bien Crépax, Pichard, Varenne, j'aime bien tous ces gens-là. Donc, comme Aslan, tout ça, c'est un petit peu ancien. J'aime beaucoup. Non, Aslan, c'était lui, c'était les couvertures, c'était les pages de lui. Donc, je connais bien Aslan. Enfin, je connais pas personnellement, je connais bien les dessins de Aslan. Il y a un original d'ailleurs. Vous pouvez voir un original de Aslan d'ailleurs derrière. L'esprit pin-up, tout ça, c'est toujours d'actualité la pin-up? Un peu moins maintenant, mais bon, voilà, un peu moins. D'accord, on est un peu plus hard entre guillemets, non? Je sais pas du tout. La pin-up. Avec Internet, avec tout ce qui traîne sur le web, est-ce que la pin-up a encore un intérêt? Est-ce que la pin-up qui était dans les cabines des chauffeurs de camions, est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Les chauffeurs, non, ils ont un iPad avec. Oui, ils ont un iPad sur le web. Eux, là, de la séance de dédicace. Oui, je viens juste de commencer, mais ça va, ça se passe bien. Tout le monde est gentil. Vous parlez un petit peu de votre ouvrage? C'est un ouvrage que j'ai fait avec Ovidi, qui a récupéré en fait des témoignages d'histoires un petit peu honteuses, un petit peu d'histoires dont on parle pas trop. C'est pour ça, le titre, c'est Histoire inavouable. Vas-y. C'est l'univers de l'érotisme qui vous plaît ou c'est quoi la sensualité? Dessiner les femmes nues, les corps nus d'ailleurs, hommes et femmes, c'est assez chouette. Il y a un truc. Bon, j'ai pas du tout fait d'études d'études classiques de dessin, donc j'ai pas du tout étudié les drapés et tout ça. Donc ça c'est vraiment un truc qui me casse les pieds. Les drapés, les voitures, les décors, ça me fatigue. Donc là, pour moi, c'est vraiment les vacances. Dessiner des gens absolument tout nus, c'est très reposant. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de dédicacer donc, Histoire inavouable, qui est donc un recueil de 10 histoires sur lequel Jérôme Davio et moi-même avons travaillé. Jérôme a fait le dessin et moi j'ai fait le scénario. Donc voilà, et nous sommes à La Musardine, qui est également la maison d'édition qui a publié, avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, puisque La Musardine a publié 6 de mes livres. Voilà. Vous êtes un habitué, cet univers de la BD? Merci.
Non, c'est ma toute première BD. C'est ma toute première BD. J'ai déjà eu quelques parutions dans Fluide par le passé, mais c'est ma toute première BD complète. Vous ne connaissez pas la réaction encore du public à l'envie ? Si, j'ai pas mal de réactions de filles, surtout. Je le vois sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des lectrices qui m'ont envoyé des messages et qui trouvent ça très drôle parce que c'est un point de vue assez féminin. Pourquoi les filles préfèrent la BD ? Parce que c'est moins hard, non ? C'est ça ? Ah, c'est pas une question de hard ou pas, c'est que c'est raconté avec un point de vue féminin, donc ça les fait plus... ça leur parle plus, ça arrive plus facilement à se transposer, tout simplement. Voilà. Il y aura une suite alors ou pas ? On espère. Ça dépend des ventes. Hein. Toujours le même. Votre actualité, autre en dehors de ça, alors qu'est-ce que vous avez comme projet ? En dehors de ça, je termine un documentaire pour France 2 sur le rapport au corps des jeunes femmes de la génération Y, c'est-à-dire les femmes qui les jeunes filles qui ont grandi avec Internet, quoi. Voilà. Vous suivez justement la mode Internet, tout ça, ça change un peu les comportements des gens, non ? Bah, Internet a évidemment tout changé dans notre façon de communiquer, dans notre façon de draguer, dans notre façon de percevoir notre propre corps. Oui, effectivement, Internet a... pour cette génération, en tout cas, Internet a changé beaucoup de choses. Dans le monde de l'érotisme, et tout ça aussi, ça a un peu changé tout ça, non ? Ça s'est un peu banalisé grâce à, avec Internet, non ? Bah, disons que Internet a simplifié l'accès à la pornographie et pas forcément dans le bon terme. Voilà. Je dirais. Merci beaucoup. Bonsoir, voulez-vous présenter ? Axterdam, illustrateur. Ouais. Donc, vous voulez nous parler un petit peu de cet ouvrage ? Un petit peu le thème ? Donc, j'ai en fait rencontré au cours d'une soirée fétiche un gentil camarade, bien accompagné. Et nous avons sympathisé, j'ai fait des crobards au cours de cette soirée et nous avons sympathisé. Et du coup, il m'a dit, viens, suis-moi, je participe à des événements SM, tu me feras des dessins de moi au cours des différentes soirées. C'est ce que j'ai fait. L'univers vous inspire beaucoup alors ? Il y a beaucoup de créations possibles ? Oui, bien sûr. C'est esthétique, c'est... et surtout au niveau des caractères, c'est fort. Et vos lecteurs et lectrices, vous les connaissez un peu ? Très peu. Ils ne réagissent pas beaucoup, non ? Vous n'avez pas beaucoup d'échanges ? Non, mais je préfère pas. Ouais, je préfère rester tranquille. Si, ça arrive de temps en temps, mais c'est plutôt positif, ceux qui me parlent. Les autres, je ne les connais pas. Donc, d'être présent ce soir en dédicace, c'est que vous êtes prêt à les rencontrer, quand même ? Oui, c'est possible. Vous n'avez pas peur d'eux ? Non. Non. Alors, est-ce que le monde de l'érotisme, tout ça, ça évolue ou pas ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont plus tendances, on pourrait dire, ou pas ? Ça dépend de quel côté vous vous placez. Si vous placez du côté des éditeurs, au côté des créateurs, au côté... c'est pas la même chose. Avec le lecteur aussi, je pense que c'est lui qui décide aussi. Sinon, il y a des thèmes peut-être plus porteurs que d'autres, non ? C'est l'éditeur qui choisit pour moi, c'est pas le lecteur, forcément. C'est lui qui va me dire voilà ce qui nous plaît en ce moment. Mais moi je suis pas comme ça, moi je fais ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire. Et ensuite je cherche un éditeur. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Vous gardez votre inspiration première qui vous guide. Absolument. Pas commercial du tout. Non. Je vais là où mon crayon me guide. Donc vous êtes content alors de ce soir là, un petit peu de rencontrer le monde ? Oh mais ça va, oui, c'est bien, c'est sympa, c'est très sympa, c'est la Misardine, moi c'est ma maison la Misardine, hein. J'y vais depuis 20 ans, donc voilà, je dessine pour la Misardine depuis 20 ans, donc je suis bien là, oui.